Hello les amis, bienvenue dans les Palatutos, la série de vidéos qui va vous aider à créer et monter des vidéos. Lorsque je vous rencontre ou lorsque je vous parle sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre vous ont des idées de contenu, mais ils n'osent pas se lancer, ils n'osent pas essayer de créer, de monter des vidéos, car ils n'ont jamais fait avant. Et ça c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, il existe pas mal d'outils qui vont vous permettre, facilement, sans avoir beaucoup d'expérience, de monter des vidéos par exemple. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir monter facilement et rapidement une vidéo, et vous inquiétez pas, ça va être un jeu d'enfant. C'est parti! Ce Palatuto est fait en partenariat avec Filmora Wondershare. Vous connaissez certainement Filmora Wondershare comme application de montage vidéo, mais Filmora vous permettra d'aller encore plus loin dans votre création de contenu, notamment avec son intégration de l'intelligence artificielle qui vous permettra d'être aidé même dans l'élaboration de vos scripts. Ou encore via Filmora, vous pourrez même créer vos miniatures YouTube, ça on le verra dans une autre vidéo. Commençons par une présentation rapide de cette application, de ce logiciel de montage vidéo. Ce qui est bien avec l'interface de Filmora, c'est que si vous utilisez déjà un logiciel de montage vidéo, vous ne serez pas dépaysé. Mais aussi, si vous êtes débutant, vous allez pouvoir le prendre en main très rapidement et très facilement. L'interface de Filmora va se diviser en 4 parties. Une partie avec les onglets en haut qui vous permettront de charger des médias, d'importer des médias, d'ajouter des titres, d'ajouter de l'audio, etc. En bas, vous aurez votre timeline ainsi que les outils pour pouvoir directement agir sur vos vidéos. Au milieu en haut, vous aurez directement votre fenêtre d'aperçu, le lecteur. Et tout à droite, une partie qui vous permettra d'entrer dans les infos ou dans les paramètres du projet. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va voir tout ça en détail. Commençons par les étapes de base. La première, c'est la création d'un nouveau projet. Lorsque vous allez ouvrir Wondershare Filmora, vous allez pouvoir créer un projet rapidement. Quel type de vidéo vous voulez créer? Le format? Vertical? Horizontal? Une fois le format choisi, vous pouvez cliquer sur Nouveau projet. On arrive alors sur la fenêtre principale de montage vidéo, celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Maintenant, regardons comment importer un média. Pour importer un média, ça va être simple. Il y aura différentes possibilités. La première, c'est écrit en gros, ici, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Importer. Là, il vous suffira après de choisir une vidéo ou image ou son directement dans votre disque dur. La deuxième possibilité, ce sera ici avec le petit bouton Importer pour faire la même chose. Et la troisième possibilité, ce sera de faire un clic droit et de cliquer sur Importer. Ou encore, vous pourrez directement drag and dropper un média depuis votre ordinateur jusqu'à dans Filmora. Voici toutes les manières pour importer un média, bien entendu, ça aura le même résultat. Commençons maintenant à monter réellement une vidéo. La première étape sera d'ajouter nos fichiers vidéo et son sur notre timeline. Pour cela, rien de plus simple, vous drag and dropper un fichier qu'on a déjà importé dans la section multimédia sur la timeline. La piste des fichiers de son est la piste la plus en bas. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter plusieurs pistes vidéo. Ces pistes se superposeront et c'est l'élément qui est le plus au-dessus qui apparaîtra à l'image. Ensuite, regardons comment on va pouvoir modeler notre montage vidéo. Tout d'abord, vous allez pouvoir utiliser le petit outil ciseau qui va vous permettre de découper un plan vidéo. Ensuite, vous aurez aussi la possibilité de déplacer un plan vidéo de la droite vers la gauche pour qu'il apparaisse plus ou moins tôt dans la vidéo. Si vous voulez réduire un plan vidéo, il sera possible de sélectionner une de ses extrémités, de rester appuyé dessus et de le réduire. Tout simplement. Et si un des plans vidéo ne vous convient pas et que vous voulez le recadrer ou le renier, vous pouvez cliquer dessus et appuyer sur l'outil recadrer et zoomer. Grâce à cet outil, vous pourrez à la fois le recadrer, mais aussi lui ajouter un mouvement, un zoom, et cela vraiment facilement. Vous le ferez grâce à l'onglet Panorama et Zoom, qui se trouve dans l'outil Recadrer et Zoomer. Là, vous pourrez choisir une position de départ et une position de fin, pour donner une autre dimension à votre vidéo. Pour améliorer un plan vidéo, ou le transformer, vous allez aussi pouvoir utiliser la partie de droite de l'écran, qui va vous permettre de modifier les paramètres du plan vidéo. Ici, vous pourrez modifier l'échelle, la position, le faire pivoter, le retourner, etc. De même, toujours dans cette partie de l'écran, vous aurez différents onglets. Vidéo, audio, couleur, vitesse. La partie audio vous permettra de gérer tout ce qui est paramétrage du son. La partie couleur vous permettra de changer la température, la teinte, la saturation de l'image, afin de la rendre plus sympa à regarder. L'onglet vitesse, comme son nom l'indique, vous permettra d'accélérer ou de réduire la vitesse d'un plan. Ça, c'était les principales opérations et manipulations de base
pour créer votre vidéo. Avec le cut, la superposition et toutes les options pour améliorer vos plans vidéo, vous pouvez déjà créer le corps de votre vidéo. Maintenant, je vais vous montrer en quoi Filmora vous permettra d'aller encore plus loin facilement. Commençons par regarder les outils créatifs de base, tels que les titres, les transitions, les effets, les filtres, etc. Ça va se retrouver tout en haut de votre écran. Lorsque vous cliquez sur « Titres », vous allez avoir une panoplie de titres déjà préconstruits. Il vous suffira de cliquer sur les titres et un exemple apparaîtra directement dans votre visualisateur. Il vous suffira de trouver le bon ou de partir d'un titre basique et sur l'écran de droite, vous allez pouvoir le paramétrer en changeant par exemple la police, la taille, le design et même en ajoutant une animation. Une fois le titre parfait obtenu, vous pourrez bien entendu le déplacer pour le faire apparaître à un moment clé de votre vidéo. Il en est de même lorsque vous allez aller dans l'onglet transition, vous aurez une bibliothèque de transition que vous pourrez facilement ajouter entre deux plans de votre vidéo pour par exemple donner un effet entre votre intro et la vidéo. Des transitions, il y en a vraiment de toutes sortes, des dynamiques, des plus fluides, des plus smooth. Et leur utilisation est vraiment simple. Et vous allez encore pouvoir procéder de la même sorte entre les effets, les filtres et les autocollants. Vous pourrez ajouter un effet, un zoom rebondi directement sur un plan de votre vidéo en le glissant sur une nouvelle piste au-dessus. Bref, je pense que vous l'avez compris, vous allez pouvoir utiliser tous ces outils de base en les faisant simplement glisser sur votre timeline. Maintenant que vous connaissez les outils de base et les opérations de base, allons plus loin, grâce notamment aux manipulations avancées, aux fonctionnalités avancées que Filmora 13 nous propose. C'est des fonctionnalités plus poussées, mais qui s'actionnent toujours aussi facilement. Par exemple, la fonctionnalité de découpe intelligente, qui vous permettra facilement de découper le sujet de votre vidéo. Il vous suffira de cliquer sur l'option découpe intelligente, et grâce au pinceau, de cibler votre sujet. Vous l'avez peut-être aperçu aussi, il y a une fonctionnalité fond vert. Et ça, c'est pratique lorsqu'on veut créer une vidéo sur fond vert. Pour changer le fond d'une vidéo prise sur fond vert, il me suffira d'aller chercher la fonctionnalité fond vert qui se trouve dans les outils de composition, juste ici. Je clique sur fond vert et hop, comme par magie, mon fond vert disparaît. Si le résultat n'est pas 100% parfait, vous allez pouvoir, sur le volet de droite, peaufiner tout ça grâce aux différents paramètres de décalage, de tolérance, d'épaisseur des contours ou de lissage des contours. Vous allez pouvoir jouer là-dessus pour avoir un rendu au maximum propre. Une fois que le rendu vous convient, vous allez pouvoir intégrer votre nouveau fond en chargeant bien entendu votre nouveau fond dans les médias. En fonction du média que vous avez chargé, vous allez pouvoir l'ajuster pour que le rendu soit à la hauteur de ce que vous avez imaginé. Et voilà comment en quelques clics grâce à Filmora 13, vous allez pouvoir utiliser un fond vert. Filmora 13 va aussi vous proposer pas mal de fonctionnalités poussées par l'intelligence artificielle, comme par exemple la fonctionnalité phare qui a révolutionné la création de vidéos ces dernières années, qui est le texte IA vers la vidéo. Vous allez pouvoir donner un texte, un script, dans la console de Filmora et derrière, l'application vous créera directement une vidéo. Alors vous allez me dire, mais il faut déjà avoir un texte. C'est là où Filmora Wondershare va aussi vous aider, grâce à cette fonctionnalité qui vous permettra de générer un texte via l'IA. Vous allez pouvoir écrire par exemple le type de texte que vous voulez rédiger, un article, etc. explicatif, lui donner un titre, comment choisir ses grains de café, et ajouter plus d'informations. Moi j'ai quand même ajouté l'information que je voulais une vidéo verticale d'une minute. Le texte de la vidéo va être généré directement et je vais pouvoir par la suite avoir le bouton texte vers vidéo qui va me permettre de retranscrire ce texte qui a déjà été créé par l'intelligence artificielle en vidéo. Je vais pouvoir choisir la voix, si je vois une voix homme, femme ou même ma voix, j'aurai enregistré au préalable dans l'application et je génère la vidéo. La vidéo est en cours de création. Et tadam ! On voit que l'IA m'a généré un enchaînement de vidéos, une voix off, des sous-titres, ainsi qu'un fond musical. Après visionnage, je vais pouvoir exporter la vidéo ou je vais pouvoir aussi la personnaliser en changeant quelques textes, en changeant l'allure des sous-titres, en changeant des plans vidéo. Par exemple, moi, j'ai pris un plan de ma cafetière que je veux directement intégrer dans la timeline. J'aurai aussi la possibilité de changer l'allure, le style des sous-titres. En cliquant dessus, sur la partie de droite, la partie des paramètres, je vais pouvoir personnaliser ma vidéo. Une fois qu'elle me plaît, je peux l'exporter et le tour est joué. Parlons maintenant de la fonctionnalité Copilot IA. Copilot va être, comme son nom l'indique,
un véritable copilote dans vos montages vidéo. C'est ce petit bouton qui se trouve ici, Filmora Copilote. Vous aurez comme un live chat qui vous permettra de converser directement avec l'intelligence artificielle. Vous pourrez lui demander des choses comme « je veux supprimer tous les segments de la vidéo qui n'ont pas de son » et elle vous proposera directement un raccourci vers cette fonctionnalité. Je clique, j'analyse, je cut, puis je suis débarrassé des silences. Bref, vous l'aurez compris, grâce à Filmora Copilote, vous aurez en un seul endroit, dans un seul chat, un accès direct à toutes les fonctionnalités que Filmora Wondershare pourrait vous offrir. Je vous montre un deuxième exemple, je retourne dans le copilote et je mets par exemple « aide-moi à créer une magnifique image de paysage ». Il me proposera un raccourci vers la fonctionnalité « image IA » qu'on verra bien entendu par la suite. Parlons maintenant de la fonctionnalité « édition par texte ». Cette fonctionnalité est très pratique. Vous allez pouvoir aller sur votre timeline, sélectionner la piste vidéo que vous voulez éditer, faire un clic droit, aller dans « Outils de détection intelligente » et cliquer sur l'option « Édition basée sur le texte ». Filmora va convertir du coup votre vidéo en texte par rapport à ce qui a été dit à l'oral hein, dans votre vidéo et vous proposera directement un aperçu textuel de ce que la vidéo raconte. Mais au-delà de générer simplement des sous-titres, cette fonctionnalité vous permettra d'éditer et de supprimer des parties de la vidéo en supprimant directement une partie du texte. Vous aurez aussi bien entendu la possibilité de personnaliser les sous-titres, de leur donner une taille différente, une police différente, un style différent. Une fois que c'est fait, votre vidéo sera générée, éditée et sous-titrée. Autre fonctionnalité IA qui est en train de bouleverser la création de vidéos, qui va vous permettre d'aller interagir, d'aller chercher des spectateurs dans d'autres pays. Ça va être la traduction IA qui va permettre de traduire l'audio et les sous-titres de votre vidéo en quelques clics. Vous aurez une petite fenêtre pop-up qui va apparaître. Vous aurez juste à choisir la langue source et la langue de destination, par exemple de français à espagnol. Et la vidéo sera en cours de traduction. Une fois que c'est fini, vous aurez votre vidéo en espagnol. C'est vraiment trop pratique. Voilà pour ce qui est des principales fonctionnalités d'intelligence artificielle. Après, restez connectés car je vous proposerai une vidéo complémentaire avec plus de fonctionnalités d'IA. Maintenant que notre vidéo est faite et prête, on va voir comment on peut exporter. Il vous suffira d'aller tout en haut à droite, de cliquer sur le bouton exporter. Là, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités encore, comme par exemple la possibilité de créer une miniature rapidement en quelques clics. Lorsque vous allez cliquer sur cette fonctionnalité d'édition de miniature, vous allez pouvoir choisir un moment de votre vidéo, puis vous aurez la possibilité, par thème, de cliquer sur un modèle préconstruit. Cela vous permettra d'avoir directement une miniature avec un style, un texte, etc. Ensuite, lorsque vous allez retourner sur votre écran d'export, vous allez avoir plusieurs options pour pouvoir choisir par exemple le format, la résolution, la fréquence d'image par seconde, etc. Vous aurez aussi la possibilité en haut de choisir d'exporter directement sur une plateforme, YouTube, TikTok, Vimeo. Peu importe votre type d'exportation choisi, il vous suffira alors de cliquer en bas à droite sur le bouton exporter et le tour est joué. Vous avez créé votre première vidéo avec Filmora 13. Voilà les amis, vous avez tout en main maintenant pour vous lancer et créer vos premières vidéos avec Filmora Wondershare. Je vous ferai d'autres vidéos, d'autres panas tutos sur ce logiciel qui va vous permettre directement d'en savoir plus sur certaines fonctionnalités clés, comme par exemple l'intelligence artificielle et la création de vidéos via intelligence artificielle. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle fonctionnalité, à propos de quelle fonctionnalité vous voulez en savoir plus, et comme ça, je vous ferai des vidéos complémentaires dessus. Dans tous les cas, je vous mets en description et en commentaire un petit lien pour aller directement tester la version d'essai gratuite de Filmora Wondershare. C'est le moment de transformer vos idées en vidéo. À bientôt dans les Panatutos.